Bienvenue à la vidéo de formation ACO pour l'autolaveuse B120R. Durant cette vidéo, vous apprendrez à vérifier que la machine est prête pour l'utilisation, à utiliser la machine, à assurer de sa maintenance quotidienne et hebdomadaire, et enfin, vous serez en mesure d'appréhender les guides de dépannage. Autolaveuse B120R. Largeur de travail de 70 à 90 cm. Largeur d'aspiration de 95 à 110 cm. Rendement jusqu'à 5800 m2 par heure. Capacité des réservoirs eau propre et eau usée de 120 litres. En vue d'illustrer comment préparer la machine, cette vidéo détaillera comment débrancher la batterie, comment remplir le réservoir eau propre, comment utiliser le système de dosage de chimie, comment installer les brosses ou nettoyer les pads. Avant d'utiliser la machine, assurez-vous que les batteries sont chargées. Débranchez la prise du chargeur de la source d'alimentation et replacez-la dans son support. Refermez le couvercle de la batterie. Ouvrez le couvercle du réservoir, retirez le bouchon de l'eau propre et remplir le réservoir d'eau. Vérifiez pendant le remplissage l'évolution du niveau d'eau. Veillez à utiliser le produit chimique adapté au sol à nettoyer. Il est important, avant d'utiliser le produit chimique, d'avoir bien vérifié la quantité nécessaire et que le produit chimique est adapté au revêtement sur lequel vous souhaitez l'utiliser. Toutes les informations importantes se trouvent sur l'étiquette des bidons de chimie. Mesurez correctement la quantité nécessaire de produit de nettoyage et versez dans le réservoir d'eau propre. Refermez le couvercle. Si la machine est équipée d'un système de dosage de chimie, le produit chimique est distribué automatiquement. Le remplissage peut aussi être fait en utilisant un système de remplissage automatique qui arrête automatiquement l'arrivée d'eau dès que le réservoir est plein. Tournez la clé de contact pour vérifier que la batterie est chargée. La batterie doit être totalement chargée avant l'utilisation. L'autolaveuse B120R nettoie soit avec des brosses, soit avec des pads. Pour décider si vous devez utiliser des brosses ou des pads, vous devez prendre en compte à la fois le type de sol et l'application. ACO vous propose une large gamme de brosses et de pads adaptées pour toutes les utilisations. Notre équipe technique sera heureuse de vous conseiller au mieux pour votre application. Pour fixer une brosse ou un entraîneur de pads, ouvrir la protection latérale, insérer la brosse ou l'entraîneur de pads sous la tête et fixer l'équipement en appuyant avec les deux mains. Ensuite, refermez la protection latérale. Pour illustrer l'utilisation correcte de l'autolaveuse B120R, cette vidéo couvre l'importance de balayer, un aperçu du panneau de commande et comment la faire fonctionner. Avant d'utiliser l'autolaveuse B120R sur le sol, il faut supprimer les déchets présents sur sa surface. Peu importe la façon dont vous le balayez, que ce soit manuellement ou avec une machine, cette étape est primordiale avant le lavage. Aperçu du panneau de commande de la B120R. Il y a une clé de contact pour mettre en marche la machine. Un bouton pour réduire la vitesse d'avancement. Un bouton pour l'avertisseur sonore. Un levier pour changer de direction de conduite. Un feu de travail optionnel. Un bouton pour l'outil optionnel. Un bouton silence optionnel. Un bouton marche-arrêt de la fonction boost. Un bouton marche-arrêt pour la pression supplémentaire au sol, un bouton marche-arrêt pour les brosses, un bouton marche-arrêt pour l'aspiration, un bouton pour contrôler le débit d'eau, un bouton marche-arrêt de la distribution d'eau, un bouton vert qui permet en même temps la mise en route et l'arrêt des brosses et de l'aspiration, un bouton pour le système de dosage de chimie optionnel, un bouton pour changer de sens de conduite, une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. Pour mettre en marche la machine, tournez la clé. Le panneau de contrôle vous indiquera l'état de charge de la batterie. En pressant le bouton vert, les brosses et l'aspiration se mettent en marche.
choisir le sens de travail en utilisant le bouton sur le panneau de commande et appuyer sur la pédale d'avancement. En marche arrière, la tête de brosse et le suceur se relèvent automatiquement. Avant de commencer le nettoyage, nous vous conseillons de planifier votre parcours. Idéalement, il est préférable d'éviter les virages serrés et de repasser sur la même surface. Vous devez essayer d'avoir toujours 10% de chevauchement sur votre parcours de nettoyage. Cela évite de laisser des traces. La B120R est équipée de pare-chocs sur la tête de brosse et l'unité d'aspiration. Ainsi, vous pouvez travailler au plus près des bords en toute sécurité. Pour illustrer la maintenance quotidienne, cette section couvrira comment vider le réservoir des eaux usées, comment nettoyer le filtre, comment vérifier le joint du réservoir, comment nettoyer et vérifier l'usure ou les dommages sur le suceur, comment nettoyer les brosses et pads, comment charger les batteries. Lorsque vous êtes dans le local prévu à cet effet, débranchez le tuyau des eaux usées situé sur le côté droit de la machine. Bien rincez totalement le réservoir. Retirez le filtre et le rincez soigneusement. Bien rincez une fois de plus tout le réservoir. Vérifiez que le joint d'étanchéité du réservoir n'est pas endommagé. Retirez toute saleté visible sur la machine. Pour retourner ou remplacer les bavettes du suceur, débranchez le tuyau d'aspiration et desserrez les deux vis papillons jaunes qui tiennent le suceur en place. Ensuite, retirez simplement l'ensemble du suceur. Rincez le suceur soigneusement sous l'eau courante pour éliminer toute saleté à l'intérieur et à l'extérieur. Vérifiez l'état du suceur. Si la bavette est usée sur une face, retournez-la. Si le suceur est complètement usé sur les deux côtés, si vous constatez des coupures et déchirures, alors veillez à le remplacer. Pour retourner ou remplacer la bavette du suceur, ouvrez les verrous et bacs de serrage. Sortir la partie en caoutchouc. Ensuite, retournez la bavette du suceur et ou la remplacer sur les crochets. Serrez les bacs de serrage et verrouillez. Vissez les écrous de fixation jaunes. Replacez l'ensemble du suceur, vissez les vis papillons jaunes et rebranchez le tuyau d'aspiration. Appuyez avec votre pied sur le bouton pour décrocher la brosse. Nettoyez les pads et brosses après chaque utilisation en les passant sous l'eau. Ceci permet d'éviter leur encrassement et prolonge leur durée de vie. Une fois ce nettoyage terminé, toujours rebrancher le chargeur de la machine à une prise d'alimentation pour recharger la batterie et ouvrir le couvercle du réservoir des eaux usées. Lorsque la charge débute, un témoin lumineux s'allume sur l'écran de contrôle. Pour illustrer la maintenance hebdomadaire, cette section couvre comment vider le réservoir des eaux usées, comment nettoyer le filtre des eaux usées, comment vider le réservoir eau propre, comment nettoyer le filtre d'eau propre, comment nettoyer le suceur et contrôler s'il est usé ou endommagé, comment nettoyer les brosses et pads, comment nettoyer la machine, comment refaire le niveau d'électrolyte. Lorsque vous videz le réservoir des eaux usées, veuillez suivre les instructions données pour la maintenance quotidienne. De la même façon, merci de suivre les instructions précédemment données pour le nettoyage du filtre des eaux usées. Videz le réservoir d'eau propre en dévissant l'écrou de vidange avec la clé spéciale fournie avec la machine. Dévissez le filtre de l'eau propre. Retirez-le de son bouchon de sécurité et rincez-le à l'eau claire. Remettez le filtre à sa place d'origine. Suivre les mêmes indications que celles données précédemment pour le nettoyage du suceur et pour la vérification de son état d'usure. Lorsque vous nettoyez une brosse ou un pad sous l'eau, suivez les instructions de la section sur la maintenance quotidienne. Lavez la machine et toutes ses pièces régulièrement et soigneusement.
Une machine conservée propre et en bon état aura une plus grande durée de vie et donnera les meilleurs résultats de nettoyage. Si la machine est équipée de batteries d'acide, il faut chaque semaine refaire le niveau d'électrolyte. Ouvrir le couvercle avec le siège pour accéder aux batteries. Porter impérativement des gants de protection. Ouvrir le couvercle de la batterie, refaire le niveau d'électrolyte avec de l'eau distillée ou déminéralisée, puis refermer le couvercle. Il est aussi possible de refaire le niveau d'électrolyte en utilisant le système aquamatique en suivant le manuel d'utilisation fourni. La section suivante de cette vidéo vous montre comment solutionner les problèmes rencontrés les plus fréquents, dont notamment la machine ne démarre pas, la machine s'arrête, la machine n'aspire pas l'eau, la machine ne nettoie pas le sol correctement, il y a trop de mousse. Si la machine ne démarre pas quand vous tournez la clé, vérifiez que la batterie est chargée. Lorsque vous quittez votre siège pendant la conduite, la machine s'arrête de fonctionner. Réasseyez-vous et recommencez à travailler. Si la machine ne récupère pas l'eau, le tuyau d'aspiration, le réservoir ou le tuyau de vidange peut être bouché. Il se peut aussi que le couvercle du réservoir des eaux usées n'ait pas été refermé correctement. Débranchez le tuyau d'aspiration du suceur et vérifiez qu'une aspiration correcte se fait même si vous fermez l'entrée. Débranchez le tuyau d'aspiration du réservoir et vérifiez qu'une aspiration correcte se fait si vous fermez l'entrée. Si la machine ne nettoie pas les sols correctement, vérifiez que les pads et brosses soient propres. Retirez les brosses ou les supports de pads. Si le pad ou la brosse est sale, vous pouvez réaliser le nettoyage à l'eau. Rappelez-vous que les pads ACO sont réversibles. Trop de mousse est le résultat d'une dilution incorrecte du produit chimique ou de l'utilisation d'un produit nettoyage qui n'est pas adapté pour un usage dans de telles machines. Il faut toujours vérifier cela avant de commencer à nettoyer. Videz le réservoir d'eau propre. Ajoutez à nouveau le produit chimique en faisant attention à respecter le taux de dilution. En suivant ces recommandations, vous vous assurez un travail sans problème et efficace avec l'autolaveuse B120R. Toute information non présente dans cette vidéo peut être trouvée dans le manuel d'utilisation.